Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans cette vidéo, on va continuer à voir les fonctionnalités de Reason pour les débutants en travaillant sur notre morceau. Donc je vais relancer la boucle histoire de se souvenir un peu de ce qu'on avait fait. Première chose que je vais faire, je vais récupérer les notes réelles de l'arpégiateur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tout simplement ici faire un send to track. Voilà, ce qui m'a recréé un clip avec l'intégralité des notes arpégées. Donc dans l'absolu, quand on fait ça, c'est tout simplement pour pouvoir se débarrasser de la charge processeur de l'arpégiateur. Et donc maintenant, on se retrouve et avec les notes arpégées ainsi que les notes non arpégées. Puisque si je me mets là, j'ai fait exprès de garder le clip pour par la suite pouvoir m'en resservir. Ici, au niveau du piano électrique, on a uniquement les notes du piano électrique. Donc ceux-là, ces deux clips-là, je vais pouvoir les supprimer, retirer cette piste-là. Et ce que je vais faire, c'est retirer aussi le scale and chord, puisque on a nos accords. Et voilà. Donc maintenant, le rack est totalement propre. On a uniquement des éléments utiles. Là, ce que je vais faire, je vais prendre mes clips de batterie, CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire la même chose avec ça pour l'instant. CTRL-C, CTRL-V. Et si on écoute, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir conserver mes accords, mais en même temps diversifier la séquence. Donc là, je vais vous montrer une de mes techniques entre guillemets préférées de beatmaker. C'est tout simplement l'utilisation de fichiers REX. Donc en faisant ça, déjà un, ça vous crée des samples que vous allez pouvoir utiliser dans votre sampleur Octorex. Et vu que c'est vous qui les créez, bah, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Donc pour faire ce que je veux faire, ça va être simple. Là déjà, je vais joindre les clips ici. Je vais faire la même chose ici. Joindre. Donc quand on fait ça, quand on joint les clips, ça enlève juste la coupure qu'il y avait entre les deux, les notes à l'intérieur restent totalement identiques. Ensuite, ici, vu que j'ai besoin d'un fichier audio qui correspond à ma boucle d'accords de piano, je vais faire bouncer en place. Là, normalement, il ne va bouncer que la partie qui a été sélectionnée ici. Donc ça,
Je mets mes locators pour faire une boucle ici. Celui-ci, je le remets à la fin, au cas où si j'en ai besoin pour m'en servir plus tard. Et donc là, je me retrouve avec un sample qui donne ça. Maintenant, je rentre dans l'éditeur de Slice et je vais commencer à poser mes 16 slices pour pouvoir jouer avec mon pad Akai. Je vais grossir la forme d'onde. Après, vu que c'est une boucle parfaite, honnêtement, il n'y a même pas à se prendre la tête. Ça, c'est l'avantage aussi quand on crée ses propres samples. Quand vous faites une boucle parfaite de 4 mesures, vous allez voir que je vais poser mes 16 slices très tranquillement et ça va être synchro parfaitement avec le séquenceur quand je vais commencer à jouer avec. Là, je vais me mettre en 1 huitième pour être plus précis et pour pas galérer dans ma pose de slice. Et là, par exemple, donc je vais faire les plus faciles. Je pose les 4 premiers. Ensuite, les 4 suivants. Donc là, on a déjà 8 slices, on en veut 16. Donc je vais recouper mes séquences en deux, tout simplement. Et voilà. Donc normalement, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 slices. Maintenant, vous reprenez votre flèche, vous cliquez droit, vous allez dans Bouncer et ici, vous avez Bouncer le clip sur une boucle Rex. Vous appliquez et d'office, ça vous crée ici une boucle Rex. Vous prenez la boucle, vous l'importez dans le séquenceur et vous allez pouvoir travailler avec direct. Pour pouvoir bosser comme une MPC, la première chose à faire, ça va être de baisser le release à 1, qu'on n'ait pas deux clips qui se superposent au niveau du son, et d'augmenter le release. Je vais augmenter un peu le niveau. Et maintenant, si je mute, alors comment j'ai fait ça? Je vais garder ma batterie et je vais garder le Rex. Maintenant, au niveau de mon écran, je vous laisse le Rex. Ici, je vais sélectionner le Select by MIDI, ce qui va vous permettre de voir quelle tranche je joue. Je lance la lecture, puisque maintenant, et j'ai oublié d'enlever le Enable Loop Playback. Donc, comme vous pouvez voir, direct, ça va hyper bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur le bouton Slice Edit Mode et je vais choisir des slices que je vais mettre en reverse histoire de donner un peu plus de feeling à mon son. On
tenter celui-ci. Mince. Là, je suis en hauteur. Je fais CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. OK. Maintenant, j'ai dit je voulais faire des inversions. Voilà, donc. Maintenant, voyons voir. Après, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc, on va enregistrer une petite séquence et on va voir ce que ça va donner. Sachant qu'au début, nous, ce qu'on avait, c'était tout simplement ça. Et maintenant, on se retrouve avec... Quand on fait des choses comme ça, il faut vérifier si la basse qu'on avait jouée à l'origine fonctionne toujours. Là, ça donne pas mal, ça me fait une première séquence. Donc je pense que je vais la conserver telle quelle. Il va falloir que je recrée d'autres séquences pour étoffer mon morceau. Donc là, je vais retirer ça et ça.
exemple. Maintenant, au niveau de la console, ce qu'on va faire, on va un petit peu arranger tout ça. Donc, la basse, je vais la remonter et je vais la mettre ici. Parce qu'il faut toujours essayer d'organiser au mieux son travail pour toujours être le plus productif possible. En ce qui concerne l'arpégiateur, vu qu'il n'y a pas trop de motifs dessus, je vais le laisser ici aussi. Je le remonte aussi. Donc, ce qui fait que là, on a dit, on met batterie, basse, clang, ID8, et ça c'est ma piste séquenceur audio, je vais la mettre en dernier. Donc après, la piste audio, c'est au choix, soit on la garde, soit on la vire, mais on peut la virer vu qu'on a les fichiers MIDI. Puisqu'après, on peut très bien se taper un délire dans ce genre-là. On peut très bien mêler fichier REX et... Voilà. Donc maintenant, si on écoute tout... Alors là, moi, j'ai un petit souci avec le Kong. En fait, la batterie ne me plaît plus. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher un Kong avec un preset qui me plaît. Et il y en a un chez un éditeur qui s'appelle DNA Lab. Hop. Donc c'est un éditeur de rack extension et il fait aussi des banques de sons au format refill que vous allez pouvoir trouver directement sur le Reason Shop. Et ils ont d'excellents packs. Kong, voilà. Parce que j'aimerais qu'il soit un peu plus brutal le pack. Alors, est-ce que les notes vont correspondre ou pas ? Je vais me mettre en solo. Non. Donc on va refaire
la batterie. Je me mets sur ma première piste. Alors là, ce que je vais utiliser, moi, sur mon MPD 232, j'ai le note repeat. Donc c'est pour ça que l'amélioration où on peut dessiner plusieurs notes en même temps, moi, personnellement, ça ne me disait pas grand-chose. Alors après, on peut travailler de plusieurs façons. Soit on fait par couche, je m'explique, je lance mon enregistrement. Là, j'ai posé une première partie. Maintenant, je change la quantification de mon note repeat. Ce qui fait qu'ici, bon, je suis en 1/16, ça va aller encore. Et je relance. Alors, le mieux pour bien voir, c'est d'entrer à l'intérieur du clip. Maintenant, je vais passer en 1/32 et je vais rajouter des roulements. Donc là, mon note repeat va être plus rapide. Et c'est reparti. Maintenant, j'enlève mon note repeat, je me remets en 1/16 et je vais faire ma caisse claire. Donc là, CTRL-Z, je passe sur la ligne d'avant. Alors pour ajouter des lignes comme ça, il suffit d'appuyer sur le petit plus ici. Thank you.
remets mon pitch correctement. Je vais rajouter une bande de notes. Là, je relance l'enregistrement et je vais me mettre cette snare là. CTRL-C, CTRL-V, et si on réécoute tout l'ensemble de ce qu'on a fait depuis le début, voilà ce que ça donne. Forcément une obligation, on va l'enlever. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de la mise en place des VST, ben en fait, vu que j'avais changé d'idée en cours de route, ben on va voir ça au prochain épisode. Déjà, là, je pense que je vous ai montré pas mal de petites combines pour pouvoir débuter, créer un sample, le modifier, créer des slices, jouer avec au niveau du de Dr. Octorex. Donc surtout, n'oubliez pas, vous faites une boucle parfaite de 4 ou 8 mesures. C'est le plus simple. Vous descendez la polyphonie à 1 pour que lorsque vous appuyez plusieurs fois, enfin sur deux touches en même temps, il n'y ait qu'un seul son qui sort. Il ne faut pas qu'il y ait de superposition de sons, sinon ça risque de faire des trucs un peu bizarres. Et vous augmentez le release pour que lorsque vous mettez une pichenette sur votre touche de clavier ou sur votre pad, le son aille jusqu'à la fin du slice. Donc on aura vu ça, on aura vu comment transformer une séquence d'accords
en wave, puis deux waves, le transformer en refil, tout reséquencer, refaire une batterie, les histoires de notes repeat. Donc quand vous utilisez un pad qui a la possibilité de faire du note repeat, il faut que 1, ici, le synth clock soit coché, et de 2, il faut que vous alliez dans éditer préférences et bien penser au niveau synchro que votre MPD ou votre surface de contrôle, si c'est un clavier, un MPK49 ou un bref, soit bien sélectionné en sortie. C'est-à-dire que lui, il va envoyer les informations sur la sortie. Et le note repeat va fonctionner. Ça fait que même si vous êtes sur Reason 10 et que vous n'avez pas, nous sur Reason 10, on n'a pas encore le petit outil pour dessiner plusieurs notes. Mais avec le note repeat, en réalité, il n'y en a pas besoin. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que je vous aurai montré d'autres tips qui pourront vous aider à faire vos propres créations. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses qui vont que vous avez à dire par rapport à la façon de bosser. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description sous la vidéo. Et puis, lâchez un petit pouce bleu, ça aide toujours pour le référencement, un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut!